Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Cyanure948, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur. Un jeu de cross qu'on aime tout particulièrement. Le meilleur moyen de ralentir avant c'est un virage MXGP. Est d'utiliser le frein moteur. Mais alors, si vous souhaitez un freinage tutoriel, plus puissant, là. Utilisez le frein avant. Ceci réduit la distance d'arrêt, mais nécessite davantage de précision dans l'inclinaison afin d'assurer la stabilité de la moto et d'éviter le risque de chute. Bien que moins puissant, le frein arrière permet d'associer freinage et inclinaison. Cette technique resserre considérablement la trajectoire en virage et s'avère particulièrement utile dans les épingles. L'emploi des gaz en virage dépend du type de trajectoire que le pilote désire suivre. Dans un virage à plat, le plus efficace est une trajectoire serrée, utilisant de brèves accélérations. Les virages relevés autorisent une trajectoire plus ouverte, permettant d'accélérer pour tirer profit de l'extérieur de la piste et de gagner de la vitesse en sortie de virage. Dans les deux cas, vous pourrez contrôler le survirage en ramenant le poids du pilote sur l'avant grâce au stick analogique droit. Entraînez-vous le plus possible sur chaque circuit en essayant diverses trajectoires. C'est le seul moyen d'identifier la trajectoire idéale de chaque virage. Et voilà, donc on a vu un peu le tutoriel là pour... on commence, hein, c'est une vidéo saut, découverte. Donc on va voir, déjà il a l'air pas trop mal graphiquement. Haut, franchement il a l'air propre. Temps en l'air et regardez les vêtements un peu, ils bougent avec le vent et simple, tout. De saut suivi d'un virage, contrôlez l'altitude que vous prendrez. Après, j'y connais pas grand chose en moto cross. Hein. Je vous avoue que je peux pas vous dire si elles sont vraiment bien faites, les motos, si c'est des vraies répliques ou quoi. Mais je pense quand même, parce que c'est un jeu officiel, donc on va passer ça. Et on va tout simplement commencer. On va pas s'embêter avec ça. On pourra changer après, les amis. Alors, carrière, non, course rapide. On va faire une petite course rapide, on va voir ce que ça donne. Et puis, on va lancer la partie, tout simplement. Je sais pas qui j'ai pris, hein. Je sais pas s'il est bon, je sais pas si. Voilà, quoi. Je ne sais pas. Alors je joue à la manette, hein, c'est un peu plus simple on va dire pour jouer au jeu de course. Vous pouvez suivre la progression de la séance sur les écrans de gauche. Ouais, elles sont quand même bien faites les motos. Moto, hein. Y'a pas à chier. Mécano assis à côté de vous. Ouais, elles sont vraiment bien faites. Je sais pas si on peut zoomer ou quoi, mais elles ont l'air vraiment bien faites. Hein. Par contre, y'a pas les poignées de frein là. Non, y'a pas. Je sais pas si de l'autre côté il y en a une, ouais, c'est un peu bizarre. Je sais que le frein arrière c'est sur les motos, normalement c'est avec le pied. Mais j'avoue que oui. Bon, on va rejoindre le circuit, on va voir un petit peu ce que ça donne sur dans le jeu tout simplement. Hein. D'accord. Ah, je peux choisir ma place si je veux. On va se mettre là. C'est pas une bonne option. J'ai pris l'extérieur, mais bon, vous allez voir, on va griller. Oh putain, je pars en dernière position. Alors, putain, on défonce tout le monde. Alors, je pense qu'on peut faire des. Oh putain, je l'ai niqué lui. Ah le bâtard, il m'a roulé dessus. Ah putain, ça commence bien. 91, une petite dédicace à mon beau-frère, hein, qui kiffe la moto. Oh putain, oh mon con. Franchement, il est canon le jeu. Hein. Il y a de bonnes sensations. Putain, on va écraser le mec là. C'est dommage qu'il nous remette à notre place quand on dépasse un peu le délire. J'avoue que c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Putain, je connais pas le circuit, j'avoue que c'est un peu chaud. Oh putain, je vais lui tomber dessus. Eh non, c'est bon. Ouais, franchement, il est beau, l'effet de poussière et tout. Bon, après, je l'ai mis à fond hein, sur le PC, donc forcément. Est-ce qu'on peut faire un petit looping ou quoi, là? Ça serait mortel. Oh putain, je fonce dans le grillage. Non, c'est bon.
Hop, je prends appui sur le collègue. Comme ça, on le double. Tranquille. Alors, je sais pas si c'est autorisé ça. Oh putain. Je vais encore. Ah oh, putain, je me suis tué. Heureusement qu'on peut pas mourir, sinon je serais déjà clamsé, les amis. Putain, ça doit être kiffant de jouer avec un. Je sais pas si ça existe, les guidons moto là. De simulation, mais ça doit être vraiment kiffant. Oh putain! Oh là là, putain, heureusement qu'on la contrôle dans les airs aussi, la moto. Énorme. Ah, je te grille, toi, qu'est-ce qui se passe? Ah, franchement, il est propre. Il est propre, le jeu. Graphiquement, il est vraiment super beau. Hein. Y a pas à chier. Alors. Oh putain. J'ai pris un mauvais virage, les amis. Mais je le rattrape. Eh, le premier, il est chaud. Il est chaud patate, le premier, là. Si j'arrive à le doubler. Ah, faudrait pas que je me fasse. Oh putain, j'ai pas assez freiné, les amis. Je me suis fait encore niquer par le deuxième. Par Van, Van mes couilles là. Eh, franchement, il donne envie de continuer à jouer là. Je vous fais une petite vidéo découverte comme ça, mais il est vraiment propre le jeu. Alors, putain, je sors de la piste les amis et je l'ai grillé. Oh là là, mais énorme. Il a jamais dû voir ça dans sa vie, le machin. Oh putain. J'ai fait un transfert de flux de poids, les amis, et la moto n'a pas supporté. Les pics gamelles de la vie. Alors, il y a 3 tours. Putain, c'est des tours assez longs, c'est pas mal. Ouais, il est bien quand même. Alors, désolé si... Ah putain, désolé si vous entendez un peu la manette grincée. C'est une vieille manette de Xbox, hein, filaire et tout. J'aurais peut-être dû prendre la manette de Play pour. Sans fil. Oh putain! Ça va, il nous fait pas trop perdre de temps. Bon, bah là j'ai fait de la merde, mais. Sinon, il nous fait pas trop perdre de temps, quoi. Aïe! Yes! Là j'ai perdu un peu de temps, je pense. Eh, franchement, il est super beau le jeu. Je sais pas s'il y est sur. Je vais faire des recherches. Hein, après, là, je vous avoue que je l'ai pris à froid, le jeu. Hein, je l'ai pris comme ça. Et voilà quoi. Je n'ai pas regardé s'il était sur PS3, sur PS3, PS4, sur Xbox One, Xbox 360. Mais. Et franchement, il est canon. Il est super bien fait. Les motos, elles sont super bien faites, bien produites. Et je sais pas si vous voyez. Putain, je suis en haut de la colline, les amis. Ah là là, les bâtards, ils m'ont baisé. Ils m'ont baisé. Je sais pas si vous voyez, mais les habits, bah, je pense que vous voyez quand même. Hein, faudrait être vraiment aveugle pour ne pas le voir. Mais les habits, elles sont à salissent, quoi. À mort. À salissent à mort. Putain, c'est vraiment bien fait. Franchement, il est bien fait. Il est bien fait. Alors, je sais pas si on peut y passer des heures. Hein, je vous avoue que peut-être les personnes qui aiment vraiment la motocross pourraient y passer quelques heures, mais moi je pense pas que je vais passer vraiment des heures dessus. Mais c'est vrai qu'il est pas mal. Une petite carrière, ça peut être pas mal. Oh putain, on peut reculer là? Recule, 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 mec. Vas-y, 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 vas-y. Ah putain, je me fais griller là. Ah le con, putain. Ah, juste avant la fin, les amis. Juste avant la fin, je me fais niquer toutes mes places. Parce qu'il n'a pas réussi à faire une marche arrière digne de ce nom. Putain, on va essayer de les rattraper. Magnifique saut. Oh putain. Je crois que je t'ai fait un saut, mon pauvre. Ah bon, bah je suis cinquième. Eh, j'aurais pu être premier, les amis. Et bah j'avoue que j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. On va peut-être s'en refaire une parce que, ouais, il est bien quand même le jeu. Hein. Franchement, j'ai bien aimé. Ah puis je débloque un truc, c'est parfait ça, c'est parfait, c'est parfait. Bah écoutez, on va refaire une et puis bah n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse tout simplement une carrière avec vous pour un petit let's play. J'avoue que ça pourrait être pas mal, mais bon après faut qu'il y ait du monde qui regarde et c'est toujours ça quoi, c'est toujours ça. Donc on va faire ça et puis si je vois que j'ai pas mal de demandes soit de j'aime sur la vidéo ou soit bah de... Attendez, on va aller là-bas.
Ah bah non, il m'a pris la place, le bâtard. Bah on va rester là, on va rester dans le troupeau. Donc si j'ai des commentaires pour me dire ouais vas-y continue, c'est pas mal, fais une petite carrière avec nous, ou des gemmes, bah, j'en ferai. Hein. Alors je vous avoue qu'il va pas me falloir beaucoup de gemmes, hein, mais bon, faites le maximum les amis. Je peux vous avouer que putain il fait une roue à chaque fois, il perd de la vitesse, prend direct l'intérieur là, magnifique. Putain je le pousse lui. Ah oh petit dérapage, contrôlez les amis. Ah là je suis plus le 91 hein. Je suis plus le 91. Ah putain, à chaque fois il me fait ça. C'est moi qui gère mal hein, je suppose. Hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. Là, je fais ça à l'arrache. Hein. Je fais ça à l'arrache. Je fais ça à l'arrache. On va se dire aussi que bah, si vous aimez forcément, si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ça, n'hésitez pas à vous abonner hein, et à mettre un petit commentaire en disant ouais, je m'abonne et les trucs qui font jeu, je sais pas, un petit truc comme ça, putain, putain, je suis parti à l'ouest là. Un petit truc comme ça et puis ça me fera tout simplement plaisir. Ça va me faire vraiment plaisir et je vais continuer les vidéos de façon. Et franchement, il est vraiment mais super beau le jeu. Il y a... Hop, oh là là. Oh putain, je sors. Oh putain, c'est gamelle le mec. Ah, il y a un de ces creux là aussi. Ah, c'est un peu dangereux, je peux pas lire. Mais... Ah ouais, mais voilà, quand on prend bien le délire aussi, ça passe bien. J'ai aussi... comment dire? Avec le PSN, j'ai eu un MotoGP 13 gratuit, donc je vais faire une petite vidéo dessus parce que c'est vrai que bon, il est un peu difficile à prendre en main, mais il est pas mal, il peut être bien, donc je vais tenter, je vais faire une petite vidéo ouais, découverte, on va dire, parce que j'ai fait qu'une partie dessus. Ah oh, putain, à chaque fois je le rate ce virage là. Et donc on va le tester, MotoGP, on va le tester, ça peut être bien, ça peut être vraiment pas mal je pense. Surtout sur Vita, il est vraiment bien fait en plus. Hein. Sur Vita, la petite console là, elle envoie toujours vraiment. Donc, voilà. Et puis j'ai téléchargé aussi Hotline Miami, qui est sur PS3, que j'ai découvert via notre cher ami B-Boy, B-Boy45, qui est un des... Pouh, oh là là, je me suis défoncé. Un des youtubeurs que je suis le plus. Et bah, il m'a fait vraiment apprécier le jeu. Donc dans le coup je l'ai téléchargé, je vais peut-être faire une petite vidéo comme ça pour le fun. Surtout pour le fun ça sera. Parce que c'est pas une vidéo découverte, parce que je ne découvre pas le jeu, je le connais déjà. J'ai regardé tout son truc, son let's play dessus. Allez, allez, allez. Eh, cette fois-ci on gagne les amis. Eh, j'ai trop d'avance là. Faut pas qu'on fasse le con. Faut qu'on gère. Là on gère je pense. Là on gère. Alors je sais pas s'il y a une difficulté. Je sais pas s'ils sont au maximum là. Comme je vous ai dit, je l'ai lancé. J'ai eu le jeu, je l'ai lancé. Je vous ai pris en même temps. Hein. Vous l'avez vu dès le début. Voilà. Hop, le petit frein qui grince hein, de la manette, c'est logique. Oh putain, ce qu'il m'a fait. Il a... Putain, j'ai mis les gaz, la moto elle a grave... Ouais, pas mal. Les bruits sont pas mal. Les bruits de moto sont pas mal parce que les bruits de moto GP sur la Vita, ils sont horribles. Hein. Autant vous le dire qu'on dirait que c'est des mobilettes. Hein, mais vraiment quoi. Là franchement ouais, franchement les bruits sont bien. Ils sont agréables. Ça me dérange pas d'avoir ça dans les oreilles pendant 2 heures par exemple. Oh putain de... Oh putain il a failli faire une de ces cascades le machin. Ah ouais il est propre quand même le jeu. Alors... je vois pas de clipping en même temps. Bon c'est... Oh qu'est-ce qu'il... Ouais, qu'est-ce qu'il a fait là? Il mytho le jeu, il mytho, il veut que je perde. Il veut que je perde là. Le cas typique du rageux, c'est qu'il a mis toute la faute sur le jeu.
Oh putain! Eh, j'ai tourné en même temps, les gars. Je sais pas si c'est possible ça à faire dans la vraie vie, mais. J'aimerais bien qu'on puisse faire des petites figures, des petits trucs. Je pense que c'est possible, hein. Faut que je vois vraiment comment faire, parce que je le prends vraiment à chaud, à froid le jeu. Je l'ai pas du tout testé, rien, vraiment à froid. Alors attendez, on va faire. Ah non, bon bah il a juste levé le bras, hein, parce que c'est la fin, et voilà les premiers. Et voilà les amis, on a gagné une course, c'était pas compliqué. J'ai mis 10 secondes au deuxième quand même, hein, je peux pas dire, mais 10 secondes en course, c'est énorme. C'est énorme. Putain, j'ai failli passer à un autre niveau les amis. Bon bah, qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu? Franchement, il est vachement bien fait. C'est sûr qu'on peut voir mieux, hein, je dis pas, on peut voir mieux. Alors le mec là, il est plein de boue normalement, d'ailleurs. En parlant de ça, mais ouais, on peut voir mieux graphiquement, mais il est vraiment super bien fait. Il y a pas à chier. Il est vraiment bien fait. On peut faire le multi en plus, donc c'est pas mal. Hein. Non, je voulais pas faire les commandes. Je voulais juste voir dans les vidéos si j'étais vraiment à fond. Mais je crois que c'est au début. Hein. Ouais, c'est que au début. Hein, donc voilà, c'est pas grave. Mais de toute façon, il est vraiment à fond. Bah voilà. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Bah, n'hésitez pas encore, comme je vous ai dit, hein, si vous avez apprécié la vidéo, à laisser un petit j'aime pour me dire ouais vas-y fais un petit mode carrière, donc celui-là. Et si vous voulez que je fasse un mode carrière, aussi laissez un petit message, ça me fera plaisir. Allez, salut les amis.